Bonjour à tous, les signes de Scorpion, les tirages pour 3 mois, octobre, novembre, décembre, la fin de l'année, c'est tirage. Alors j'utilise l'oracle de Mademoiselle Delormeau pour professionnel, l'oracle de G, et pour l'amour, c'est l'oracle de l'amour, les anges de l'amour, ils conseillent message des cœurs. Alors, on commence avec le général. Alors, le conseil pour vous, c'est la libération, les chaînes, les blocages, les obstacles, besoin pardonner, libérez-vous, ça sortir à l'histoire du passé, transformation, votre douleur, peut-être un changement si vous êtes en souffrance de passé. Il y a une libération à une histoire de passé, soit une amoureuse, soit une histoire familiale. Besoin pardonner à vous ou pardonner à quelqu'un. Et besoin peut-être demander l'excuse, demander le pardon, demander un changement peut-être pour libérer les souffrances du passé ou les douleurs du passé. Et la chaîne pour vous, vous cassez cette chaîne, vous cassez cet obstacle que vous êtes resté beaucoup de temps. Les changements, c'est transformation, votre douleur par mieux avancer. Alors, on commence avec la féminin général pour vous, la féminin pour 3 mois. Les obstacles, ça sortait la montagne, c'est l'obstacle que vous êtes. Besoin de sortir un nouvel départ. Nouvelle naissance. C'est passagère, c'est blocage. Il y a quelque chose qui était bloqué dans votre vie sociale, votre entourage, qui vous êtes bloqué à cause d'un problème ou à un choix à faire, un choix professionnel ou un choix familial. Ou un choix dans votre entourage, que vous êtes bloqué beaucoup de temps seul, ou soit une histoire du passé, et que vous sentez beaucoup de douleur, quelque chose qui était en conflit, ou un problème avec les autres, avec votre entourage. Les choix à faire pour une nouvelle direction, peut-être professionnelle, ou soit une nouvelle naissance pour vous. L'enfant, c'est votre famille. Et peut-être il y a un conflit avec la famille ou avec votre les enfants, soit avec votre entourage, les gens qui sont peut-être vous bloqués et qui vous sentez beaucoup de souffrance. Trouvez les gens dans votre entourage gentils avec vous. Peut-être il y a une blessure dans le passé que vous avez besoin de libérer. Alors, on passe les masculins. Les masculins pour les scorpions. Les masculins aussi, le conflit. Le conflit à cause d'un secret ou à un contrat. Un contrat, vous êtes beaucoup fâché ou soit vous sentez beaucoup la tristesse, les masculins, scorpions, pour un contrat. Il y a un contrat, quelque chose que vous êtes longtemps, vous êtes peut-être un problème avec un travail ou un problème que vous travaillez longtemps pour un contrat de travail, que vous sentez la culpabilité ou la tristesse. Mais ça, c'est le problème professionnel. Ça va régler, c'est passager. Les noix, ça va rester pas longtemps, cette blocage. Et parce qu'il y a une réussite, l'étoile, c'est réussite, une situation qui vous sentez beaucoup le blocage à cause de cette situation. Et pour moi, c'est la. Les messages que je vois, la tristesse, c'était très dur pour vous, pour un contrat de travail ou soit pour un secret familial ou un secret d'un professionnel que vous êtes bloqué. C'est quelque chose de passagère, c'est pas longtemps vous restez cette énergie. Voilà, c'est général pour vous, les masculins. Professionnel, on passe. Les gens qui cherchent travail. Pour ça, il y a un blocage. Si vous êtes bloqué le masculin par une histoire de passé, un travail que vous êtes longtemps, vous avez besoin de libérer ce travail. Peut-être vous êtes malheureuse dans ce travail. Alors, les gens qui cherchent travail,
C'est vous, ça sortait vous. Vous pensez beaucoup à les choses, c'était bloqué pour vous. C'était lentement les choses qui n'est pas passé. Vous voulez changement, mais les choses qui c'était pas très rapide. Vous pensez beaucoup à une situation pour trouver un travail. Pour trouver un travail, peut-être partir loin. Loin de vous êtes à une ville, peut-être vous voulez aller à une ville, peut-être plus à côté de la mer, ou soit un pays plus chaud. C'est un changement pour vous. Si vous cherchez travail, vous trouvez quelque chose dans une ville, soit elle est dans le sud, ou soit un autre pays plus chaud, quelque chose d'étranger. Vous pensez à ça. Vous pensez à une question, peut-être vous êtes demandé à une personne qu'elle veut aider pour ce travail, qui veut partir à l'étranger, qui vous voulez longtemps, mais vous êtes dans le temps, c'était tardé pour vous, ce travail. Si vous voulez aller les travailler à l'étranger, c'est possible, c'était tardé. Mais il y a une chance pour vous partir. Alors, les gens qui sont déjà en travail, un travail. Alors, si vous êtes en train de faire un projet qui était, vous êtes fâché beaucoup, vous attendez peut-être mauvaise nouvelle, ou soit vous êtes senti beaucoup la colère par ce projet qui était bloqué. Pour moi, il y a une protection. Vous attendez une nouvelle, il y a une réussite peut-être à ce projet. Et ce projet, il est protégé. C'est votre bonheur, c'est quelque chose qui vous êtes dans le cœur, vous êtes travaillé longtemps et vous êtes beaucoup de colère parce que c'était pas tout de suite démarré, ou soit vous êtes pas content par ce projet qu'il était pas tardé pour vous. Et c'est quelque chose qui a une réussite, et une réussite, un projet dans votre cœur. Je sais pas quel projet, mais quelque chose par les beautés, ou soit quelque chose que vous aimez partager avec les autres, ou soit si vous êtes une personne que vous voulez faire travailler dans le médical, ou soit c'est quelqu'un qui a un projet qui veut peut-être travailler dans le soin énergétique, ou soit les gens qui veulent travailler dans le beauté, ou soit quelque chose pour protéger, pour libérer l'énergie, ou couper l'énergie négative, ou les personnes qui sont problèmes peut-être énergétiques, ou soit dans le soin. Dans le soin général, soit énergétique, quelque chose comme ça, vous voulez faire, c'était peut-être tarder les choses. Alors, la féminin, les féminins, pour chercher travail, je n'ai pas pensé, je commence, vous cherchez travail, les féminins, Scorpio. Beaucoup de doutes, beaucoup de questions. Vous ne sentez pas bien à cause d'un. Vous cherchez un travail, soit dans le médical, soit dans le médical, que vous ne sentez pas bien, que vous doutez beaucoup. Il y a quelque chose, un ami qui doit peut-être aider pour un travail. Soit associer quelque chose à deux, ou soit c'est quelqu'un qui veut aider travailler peut-être dans l'hôpital, ou soit quelqu'un qui trouve pour vous un travail peut-être dans le restaurant, si vous cherchez dans le restaurant, le commerce, les choses que beaucoup de gens qui le fêtaient, ou soit les restaurants, soit les bars, soit c'est quelque chose dans un mois, vous trouvez un travail. Si vous êtes senti malaise, vous sentez pas bien, vous sentez douté beaucoup pour vous et vous sentez malade, c'est quelque chose qui a un nouvel travail, peut-être une nouvelle carrière qui vous êtes peut-être faire quelque chose, vous travaillez la nuit peut-être comme aide-soignante, infirmière, ou soit dans les bars, restaurants, ou les gens qui travaillent la nuit.
vous trouvez un travail comme ça, si vous cherchez dans le commerce, au travail, au restaurant, au bar, alors, au discothèque, peut-être. Alors, message, les gens qui sont déjà en travail. Alors, si vous êtes beaucoup les doutes pour un collègue de travail, un collègue plus jeune comme vous, c'était difficile pour ce travail. Peut-être que vous êtes bloqué, vous êtes prêt, beaucoup de risques pour un travail, ou soit peut-être un travail qui vous êtes pas assez entre de l'argent, ou soit vous êtes une personne qui travaille dans un restaurant, peut-être il n'y a pas assez les salaires, peut-être c'est pas beaucoup. Les salaires, ces petites entre, peut-être c'est pas assez pour vivre, ou soit quelque chose de difficile pour vous, professionnel, vous gagnez pas assez, peut-être vous êtes une personne qui a besoin faire attention à votre colonie, ou soit faire toujours attention qu'est-ce que vous faites avec votre argent. C'est pas un grand salaire qui vous touchez, peut-être il y a ça, c'est une difficulté pour vous, c'est besoin peut-être clairer les choses, besoin beaucoup les doutes, beaucoup l'angoisse, que vous êtes angoissé par l'argent, par la stabilité dans votre vie, parce que vous êtes vous gagnez pas assez pour vivre, c'est toujours dans le doute. Vous êtes besoin peut-être parfois vous pensez peut-être changer ce travail parce que vous gagnez pas assez l'argent. Alors le conseil amoureux pour les féminins célibataires, les scorpions célibataires, libérez-vous, tombez les masques. Tomber les masques, peut-être vous pardonnez à quelqu'un qui porte les masques ou quelqu'un qui dit beaucoup de mensonges dans le passé, que vous êtes avec quelqu'un, que vous êtes besoin travailler votre relation, donner une chance à cette personne. Les gens qui sont séparés, besoin vraiment passer le temps dans la nature, besoin sortir, amuser, communiquer, dialoguer avec votre partenaire, votre mari, votre femme. À bientôt, besoin d'exprimer votre sentiment pour cette personne. Peut-être il y a pas beaucoup de dialogue. Faire le premier pas, peut-être, et déclarer votre sentiment. Ou soit, c'est votre compagne qui doit peut-être vraiment exprimer son sentiment pour vous. Les couples qui sont toujours pensés en ex. Un ex-compagne ou un ex-mari ou un ex, si vous êtes dans le couple, peut-être vous êtes toujours dans le passé. Besoin vraiment un changement dans le couple. Un changement parce que vous êtes tiré vers un l'âme sœur, quelqu'un, votre l'âme sœur, quelqu'un qui vous êtes beaucoup attiré vers cette personne. Si vous êtes dans le couple, vous devez faire attention parce que vous êtes toujours dans cette énergie d'un ex. Et qui ressentait peut-être cette personne qui est là comme une âme sœur ou quelqu'un qui a beaucoup la loi d'attraction. Vous êtes tiré vers cette personne, vous sentez très fort, magnétisme. Vous êtes arrivé pas à libérer le passé, qui vous êtes resté dans le passé. Dans le couple, il doit travailler ça. C'est un ex qui doit libérer une relation avec un ex. Mais vous n'arrivez pas parce qu'il y a beaucoup de lois d'attraction. Vous êtes tiré vers cette personne. Et vous savez déjà c'est votre âme sœur. Un conseil pour vous, le féminin, sont tombés deux. Alors, c'est un cadeau de vie. Peut-être vous rencontrez les bonnes personnes. Vous sentez un nouvel. Alors. Peut-être vous êtes besoin de faire un deuil, quelque chose dans le passé. C'est pour ça un ex, offrez votre cœur à une nouvelle rencontre, rencontrer quelqu'un nouveau. Si vous êtes bloqué, il y a quelque chose qui vous, un cadeau du ciel, vous rencontrez le bonheur dans votre vie, le féminin.
On passe les masculins. L'homme. Alors, l'homme. Les célibataires, l'homme, scorpion. À cœur à cœur, visualiser votre âme sœur. Les gens qui sont séparés, avec quelqu'un dans le passé. Il y a quelqu'un dans le passé qui retourne. Dans le couple, la relation de couple, le scorpion, les masculins, une relation karmique. Alors, l'homme qui sont séparés, peut-être avec quelqu'un, les célibataires, vous êtes séparés avec quelqu'un, qui a besoin de communiquer, dialoguer honnêtement votre sentiment et visualiser votre âme sœur. Si peut-être vous êtes avec une âme sœur qui vous êtes pensé à beaucoup à cette personne, besoin de communiquer, dialoguer et déclarer votre sentiment si vous sentez très fort. Alors, les gens qui sont peut-être séparés avec quelqu'un dans le passé, il y a une personne qui retourne, il y a un choix à faire, peut-être à une personne de passé, vous êtes rencontré les bonnes personnes, mais il y a quelqu'un dans le passé, quelqu'un qui vous commence à flirter avec cette personne. Faites attention si vous êtes rencontré les bonnes personnes. Si vous êtes rencontré les bonnes personnes ou quelqu'un dans le passé qui retourne, qui comme vous commencez à flirter avec cette personne, peut-être vous perdez à une personne très gentille ou à une personne bien pour vous. Alors, le couple, vous êtes dans une relation karmique, une relation qui vous êtes beaucoup de l'amour, ces relations karmiques, besoin à prendre soin de vous et votre l'amour et peut-être respecter vous. Et peut-être il y a beaucoup de l'amour pour cette relation de couple. C'est une relation karmique destinée pour vous, cette relation. Alors les masculins, faites attention. Votre relation, si vous êtes avec quelqu'un et que vous êtes une personne, un ex, retournez. Alors, le conseil pour vous, les scorpions. Ça, je mélange bien parce que je voulais aller une autre carte. Alors, offrez votre cœur et libérez les miroirs intérieurs. C'est quelque chose dans le passé qui doit libérer. Offrez votre cœur. Vous êtes passé un prof. Offrir une nouvelle vie. Peut-être aussi un karma que vous êtes besoin. Libérer un karma du passé. Quelque chose à une personne du passé. Retour, peut-être vous devez libérer cette relation, ou soit vous êtes séparé avec quelqu'un et que vous sentiez c'est votre âme sœur, besoin de dialoguer, communiquer pour mieux comprendre cette relation. Voilà les scorpions. Et la libération, et pardonner à une personne de passé, peut-être il y a une personne qui retourne, qu'elle demande le pardon. Voilà, merci beaucoup. Si vous voulez aimer la vidéo, abonnez-vous, likez. Et soutiennent cette chaîne, partagez avec votre proche. Merci beaucoup. Au revoir.